pour améliorer votre santé, améliorer votre longévité, être en pleine forme, perdre du poids, il existe deux manières pour avancer très vite dans cette bonne direction, plus d'énergie, un ventre plat et une longévité améliorée. Je vous le donne tout de suite. Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, je suis un très grand fan du professeur David Sinclair, qui est l'expert de la longévité, je dirais, un des plus connus. Et c'est lui qui a trouvé et qui a travaillé sur ce qu'on appelle les sirtuines. Retenez pas bien ce mot, sirtuines, S-I-R-T-U-I-N-E. Donc, il en existe 7. Sirtuine 1 à sirtuine 7, et quand votre corps fabrique ces sirtuines, on a montré que ça vous améliorez votre santé, vous améliorez votre longévité, exactement ce que je raconte sur cette chaîne. Donc les sirtuines, c'est la clé. Alors comment on active ces sirtuines pour que votre corps soit en pleine forme? C'est possible, vous avez plus d'énergie, hein, ça. Tous ces sirtuines aussi sont liées à la fabrication de NAD ou NAD+, qui est de vos mitochondries, hein, c'est ça qui vous aide à fabriquer de l'ATP. Et je vous explique tout de suite comment activer, surtout aujourd'hui je vais parler de la sirtuine 6, qui est une des sirtuines les plus importantes au niveau de la longévité. Ça, c'est de la recherche qui vient sortir. On ne sait pas encore, on n'a pas fait beaucoup d'études sur comment l'activer, mais on sait que quand la sirtuine 6 est présente en grande quantité chez certaines personnes, ils vivent vieux et en bonne santé. Donc on a fait bien le rapport sirtuine 6 dans votre corps égale longévité accrue en bonne santé. Alors une des clés, ce que les chercheurs pensent actuellement, qui aide à augmenter la sirtuine 6, donc ça au niveau de la recherche, c'est pas encore prouvé, on pense que c'est comme ça, mais ça ne coûte rien de commencer à essayer. C'est pour ça que je vous donne un peu en avant-première. Peut-être dans un an, je vais vous dire, hein, j'ai fait une vidéo sur la sirtuine 6 il y a un an, et voilà, maintenant la recherche a prouvé ce que je raconte. Voilà. Donc, c'est pas prouvé, mais on pense que un des composants d'une algue brune, donc Laminaria japonica, ou les algues que vous trouvez quand vous allez dans un restaurant japonais, hein, il y a ces algues vertes, en fait, qui sont réellement des algues brunes. Il y a un composant qui est extraordinaire, qui a montré des effets anti-cancer absolument extraordinaires, mais aujourd'hui, on ne parle jamais de ça. Ça s'appelle le fucoïdan. Donc, les fucoïdans, c'est un des extraits de Laminaria japonica, donc cette algue verte, qui, on pense, peut faire augmenter la sirtuine 6. Et donc, quand vous avez de la sirtuine 6, vous vivez en pleine forme. Donc voilà. Donc si vous trouvez du fucoïdan sur internet, actuellement j'en trouve qu'aux États-Unis, mais si vous mangez des algues, il faut les manger de façon relativement concentrée, donc manger des bons laminaires, ce qu'on appelle Laminaria japonica. Je vais vous mettre un lien sur un produit que j'aime beaucoup, qui est propre, parce que quand les algues aussi, comme ça attire les métaux lourds, il faut avoir une algue qui n'ait pas de métaux lourds. Et parce qu'en plus, quand vous mangez, quand vous faites une supplémentation de ces algues, ben vous éliminez les métaux lourds qui sont présents en extracellulaire, parce que l'intracellulaire, les algues n'arrivent pas à y rentrer. Donc c'est toujours bon de faire aussi une détox métaux lourds, en plus d'avoir un peu ces fucoïdans qui vous aident à booster vos sirtuines 6. Voilà, donc vous faites en fait deux choses en même temps. Vous éliminez les métaux lourds qui sont présents parce qu'on mange du thon, hein, et on respire, donc on a toujours trop de métaux lourds, hein, problème d'amalgame aussi souvent. Les métaux lourds, c'est la plaie, hein, c'est un truc qui est absolument nocif, qui crée de l'inflammation, hein. Une autre manière d'éliminer les métaux lourds, c'est bien sûr le sauna, surtout le sauna infrarouge si vous transpirez, ou les gens qui font beaucoup de sport, qui transpirent beaucoup, éliminent beaucoup de toxines. Et une partie de ces toxines, c'est des métaux lourds. Quand on étudie la sueur après un sauna, on trouve des métaux lourds là-dedans. Mais si vous combinez ça en plus avec une supplémentation pas continue,
en laminaire. En plus, ça contient un peu d'iode, donc c'est aussi bon. On est tous un peu déficients en iode souvent, donc c'est top. Voilà. Donc sirtuine 6, laminaire, fucoïdant. Si vous trouvez un jour un bon supplément en fucoïdant, laissez-moi un message. J'en cherche, surtout en Europe. J'en trouve pas. Voilà. Merci. Laissez-moi vos commentaires. Namasté.